salut à tous. Ça y est, on y est, on est sur place. Enfin, cette date précise pour animer eh bien, le tournoi de foot du Luar avec eh bien, l'installation. Regardez donc ça, regardez ça. Là, j'ai amené la petite galerie pour installer tout le matériel. Et voici la découverte. Alors ça, j'ai été stupéfait par le Barnum. Regardez tout ça pour nous. La belle piste de danse couverte en plus, avec une guirlande électrique là-haut, des bancs, un beau parquet, bien pour danser. Il va y avoir du monde parce qu'en fait on s'installe ici comme prévu, comme on l'avait vu sur la dernière fois, en fait sur la vidéo. On s'installe ici avec toute une protection. Là-bas il y a le repas des invités, on peut dire, hein, du public hein, qui vient, ils ont prévu peut-être 300-400 personnes donc dans la journée. Voilà, donc le temps se maintient ce matin, ça va être couvert, ils annoncent de l'orage. Ouais, ils annoncent de l'orage, donc on peut peut-être commencer à entendre un peu les tonnerres, mais bon, non, c'est autre chose, ça va. Et de la pluie, donc il va pleuvoir, mais ça c'est pas grave, on est vachement bien abrité. On attend Teddy qui devrait pas tarder à arriver, puisqu'il va... on va s'amuser, je l'ai invité pour qu'il vienne avec moi et puis on va installer le matériel autour du terrain pour justement annoncer les équipes dans la journée et le soir faire danser jusqu'au bout de la nuit. Voilà, ici en plus il y a juste un bar juste à côté. Ok, bon. Donc, allez, je décharge le matériel. Voilà ce que ça donne. Voilà, on sera installé dans ce coin ici. Bonjour monsieur Teddy, comment allez-vous? Alors aujourd'hui une très très bonne journée les amis pour... eh bien qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien nous allons animer le tournoi du Luar, le tournoi de foot pour les gosses des 50 ans. Moi je m'occupe de la soirée dansante. Soirée dansante. Et Teddy, bah, viens en tant qu'invité, hein, c'est ça? En tant qu'invité, en tant que bénévole pour... pour installer son matériel pour la régie, pour l'annonce des équipes. Attention! Action! C'est bon là? Il est fou, mais il est fou! Fais pas ça comme ça, Teddy! Je veux pas te rembourser, toi! Je crois que je suis là bénévolement! Parasite un peu quand même. Du café? Ouais. Ah oui. Demandez le terrain du haut. Pour l'arbitrage. Je vous l'emmène. Toi non, on va venir là de toute façon. Mais... ouais. Merci. Ça se trouve c'est le même MRC. Parce que habituellement j'ai un aussi. Mais c'est pas pareil. Ouais. Avec de l'eau. Voilà,
pour l'installation de la régie, c'est une petite enceinte ici, au bout du bar, c'est suffisant, et une autre au fond, qui donne partout sur le terrain. Voilà. Donc moi, je vais commencer à installer le matériel tranquillement dans l'après-midi, là-bas, pour danser le soir. Ah ouais, là, t'as vu ça. Ah, je transpire comme une vache là. Bon bah, on va la mettre en parallèle. Ah mes banderoles, eh, oh, faut que je les mette maintenant, bravo. C'est place vous les gars, c'est vous? Ouais. Bonjour. Il nous filme déjà là. On dirait que sur YouPorn. Et voilà, ça s'installe, regardez. Et là, on est en train de voir pour installer des jeux de lumière, mais non pas que ce portique, mais partout ici, là, comme les boules centrales. Donc ça donne bien, hein. Ça met des couleurs partout. Avec des poursuites, il y aura un peu sur les côtés pour mettre un peu de couleur dans le petit salon. Voilà, juste une minute d'installer, on a largement le temps, ça se passe dans la soirée. Et bah, on va voir ça pour... Alors, je signale quand même qu'à l'arrière, ce sera fermé. Là, c'est simplement les courants d'air pour nous, parce qu'il fait chaud. Je peux vous assurer que là-dedans, il y a une température par rapport à l'extérieur. Il fait très très chaud. Et voilà les amis, regardez donc en hauteur ce qu'on a installé. Des par 36, histoire de mettre un peu de couleur. Et on a rajouté un laser juste central, là-haut. Voilà pour le laser. Rendez force, hein, parce qu'après on va t'en foutre. Tu veux ta merguez? C'est la merguez partie là. Je vais y aller. Premier carton jaune, c'est pour moi. Merci Ali. Et en même temps, il y a la deuxième régie qui fonctionne pour le terrain, là-bas, au bout. On ne le voit pas, mais bon. Voilà, donc en attendant, les gens mangent tranquillement avec de la musique ce midi. Et ce soir, ils viendront danser. Avec des projecteurs installés un peu partout. Ici, dans la salle. Voilà, donc pour le temps, on nous a annoncé de la pluie, de l'orage. Mais pour l'instant, eh ben, faut pas trop se plaindre, hein. Et ça se maintient, pas de pluie, rien, mais bon, ce soir dans la soirée, je pense qu'il va pleuvoir. Allez, c'est parti les gars, allez. Ça me plaît. Ah ouais. Est-ce que je le vois bien? Ah la tempête. Regardez comment ça souffle. Impressionnant. Bon ça va, moi je suis à l'abri. Hein, le barnum ici est bien fixé au sol, sanglé à chaque pied. Donc bah, j'espère que ça va pas s'envoler. À côté, ça souffle. Ça souffle. Regardez. Ils ont maintenu les stands comme ça. Le tournoi est terminé, il est 18h.
18h45 et bon, on va faire place au manger, on va reprendre un repas ce soir et après en espérant que bah, évidemment les gens se mettent à danser. On a eu une rafale de vent, on a eu de la pluie, de l'orage pendant allez, au moins 1h30 il a plu mais ça n'a pas arrêté. Ils ont continué à jouer là-bas au niveau du terrain d'honneur, donc le tournoi s'est fait tranquillement, ça a été annulé un petit temps histoire de... Mais en fait ça pleuvait tellement qu'ils ont continué et franchement bravo. Et nous, eh bien nous en attendant pour l'instant on fait quelques tests. Teddy à côté était en train de remballer la petite régie qui servait pour la journée. Moi j'ai fait quelques petits réglages encore au niveau de la sono. Et le temps est redevenu normal. Donc il n'y a plus qu'à espérer que ben voilà, les gens sortent et ont envie de danser maintenant et ont envie de s'amuser ce soir. On est samedi soir, donc c'est la fête. Mais bon, le temps y est pour beaucoup, hein, voilà, c'est pas facile tout ça, hein. Mais bon, je m'inquiète pas. Vas-y, fais l'amour à la caméra. Mon Dieu, dans lequel étagère? Donc voilà, tout est automatique. Croyez que tu fais l'accordéon. Eh non, je ne fais pas l'accordéon. Alors ici c'est le niveau d'essence. Ah, j'en suis à un niveau. Voilà, on va faire le plein. Pas encore dans le rouge. Ah, merde. Exactement. Je suis à l'arrière, c'est. Ça c'est bon. Comme ça c'est bon, je me jette dans le public ça. Dans le public, bon, après je me fais mal à par terre. Hey, et ouais, je suis encore là. Il est tour 22h10, début de soirée. C'est parti, bon, tranquille. Hein. Ah, j'ai oublié. Voilà, voilà. Je l'avais même pas vu. Hein. Hey, il est tard, il est 22h. Ça va toujours? Allez pour les footballeurs ce soir, on lève les bras là-haut, tout là-haut. Allez, j'ai remarqué qu'il n'y avait que des femmes sur la piste, on attend les hommes. Voilà, allez, allez chercher les hommes. Qui finissent leur verre. Hein. Allez, le type de l'été, c'est maintenant. Chaud, 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 chaud. Et on a serré dans un vacances sur le
Thank you.